Bonjour, je vais essayer de vous expliquer pourquoi multiplier par moins 1 revient à donner l'opposé d'un nombre. Pour ce faire, il suffit de prendre un nombre a quelconque relatif, et on calcule moins 1 fois a plus a. Cela donne moins 1 fois a plus 1 fois a, ce qui permet de mettre a en facteur, et donc moins 1 plus 1 fois a donne 0 fois a, qui est égal à 0. Finalement, moins 1 fois a plus a égale 0. Donc, moins 1 fois a et a sont des nombres opposés par définition. Mais l'opposé de a, c'est moins a. Finalement, moins 1 fois a, ça donne moins a. Et donc, multiplié par moins 1 donne l'opposé d'un nombre.